de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Nous allons nous retrouver aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, sur une nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui n'est pas forcément beaucoup abordé et sur lequel nous n'avons pas forcément non plus beaucoup de recul, et qui est pourtant un sujet qui est extrêmement triste, poignant et on va dire touchant, plus profond de nous-mêmes. C'est un regard, on va dire, clinique, médical, sur ce que Jésus a subi à la croix. Et vous allez voir qu'en fait, cette crucifixion a notamment, premièrement, un but spirituel, parce que c'est vraiment la représentation d'un sacrifice de quelqu'un qui était sans défaut, sans péché, et qui était là pour racheter l'humanité tout entière de leurs péchés. Et justement, il a été annoncé dans les prophéties de la Torah, donc du plus vieux livre de la révélation du Seigneur sur cette terre. Et donc, c'est pour ça ensuite qu'on a eu le Nouveau Testament. Et en fait, donc, le Seigneur qui s'est incarné donc, dans le corps d'un homme, s'est dépouillé de sa gloire pour venir à notre niveau et pour s'infliger, si je puis dire, on va dire, la souffrance de toute l'humanité. Et c'est par justement cette souffrance et par ce plan parfait de Dieu, ce sacrifice parfait, que nous avons la possibilité d'être rachetés, nous les pécheurs, hein, depuis la fondation du monde, auprès du Père éternel. Et c'est pour ça aussi que Jésus a prêché en enfer, dans le séjour des morts, pendant les trois jours avant la résurrection, pour justement que toute création, tout être humain qui a pu un jour avoir un souffle de vie sur cette terre, puisse avoir la possibilité d'être sauvé et d'entrer dans le royaume, dans la gloire de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté parfaite du Créateur unique, donc de Elohim, hein, comme il est appelé dans la Torah, le Dieu créateur, le Dieu fondateur de toutes choses. Voilà, donc en fait, Jésus-Christ donc a subi une crucifixion et une flagellation. Et souvent, on ne s'imagine pas vraiment qu'est-ce que cela a été comme calvaire. Parce qu'on parle souvent de la croix du calvaire, on parle souvent de la souffrance de Christ, hein. Et on a un passage biblique qui montre quelque chose d'assez poignant. On va le lire tout de suite, c'est le chapitre 53 du livre d'Ésaïe, hein. Et donc du verset 1 au verset 12. Qui a cru à ce que nous qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donc là, on parle de Christ, hein. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Donc quelqu'un de simple, d'insignifiant, qui est né dans une étape, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc c'était quelqu'un de très simple physiquement. Il n'était pas un grand prince, magnifiquement beau, avec des longs cheveux, comme on peut s'imaginer, comme on peut parfois le représenter. C'était quelqu'un qui était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Il a beaucoup souffert, il faut savoir ça, le Seigneur Jésus a vraiment beaucoup souffert. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc, il était semblable à quelqu'un sur lequel, bon, ben voilà, quelqu'un de pas forcément beau physiquement, quelqu'un vraiment d'insignifiant en fait, hein. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc là, on parle de guérison, vous imaginez, une guérison par rapport aux meurtrissures de Christ. C'est ce que je vous disais. Il y a plein d'autres passages, bien sûr. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il
et il n'a point ouvert la bouche, donc Jésus ne s'est jamais plaint, il a subi en souffrance et en silence, semblable à un agneau, donc parfait, un agneau de Dieu, qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Donc Jésus ne s'est jamais plaint, il n'a jamais rétorqué, ce soit au niveau du Sanhédrin ou au niveau de Ponce Pilate, hein, des Romains. Et c'est pour ça aussi qu'il a touché en plein cœur. En fait, les gens se sont posé des questions, certains Romains et certains Juifs. Mais en fait, il ne se plaint pas, il acquiesce, il souffre en silence. Vous savez, quand on voit quelqu'un comme ça qui se fait rouer de coups et qui ne bronche pas, croyez-moi que ça fait poser beaucoup de questions dans certaines personnes qui affligent ce genre de choses. Et il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il a été constamment dans l'angoisse, le Seigneur. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Hein. Il était vraiment dans une angoisse. Vous imaginez quand on sait qu'on va se faire persécuter, fouetter, crucifier, la peur qu'il y a en nous. Même si on a une certaine capacité par rapport, comme Jésus l'avait, au pouvoir, il faut savoir que sa chair était faible, comme nous les hommes. Hein. Et c'est pour ça que Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce que la chair nous fait peur, nous donne des craintes, des angoisses. Et parmi ceux de sa génération qui a cru, qui était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Donc voilà, on voit bien la perfection de Christ. Hein. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est pour ça que Jésus aujourd'hui est tout en haut. C'est celui par qui on peut être sauvé. C'est le chemin, la vérité, la vie, comme il l'a dit. Hein. Et on ne peut pas être sauvé si on n'est pas sa foi en lui et notre vie en règle. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Donc vous voyez, il était mis vraiment au même rang que les criminels, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Un passage très très puissant qui montre bien qu'est-ce que Jésus a subi à la croix. Maintenant, nous allons voir, donc là c'est ce que la Bible nous explique, maintenant nous allons voir, médicalement parlant, qu'est-ce qui s'est passé. Et croyez-moi que là, chers frères et sœurs, c'est quelque chose vraiment d'extrêmement poignant. Donc je vous encourage bien sûr à partager cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne. N'hésitez pas pour suivre l'actualité prophétique, mais aussi pour avoir une instruction biblique assez poussée. Dans la vérité, bien sûr, toujours basée sur les Écritures et non pas sur ma propre interprétation ou mes désirs ou mes envies, comme beaucoup de religions le font, mais vraiment sur la Bible en elle-même. Et donc, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Vous savez, quand je lis certains passages bibliques, j'ai les larmes aux yeux, parce que vraiment, on se rend compte par ce sacrifice et cette souffrance incroyable que Jésus a subie, de l'amour que Dieu nous porte. Vous imaginez ? L'amour incroyable. Il a souri à un homme qui l'a aidé à porter sa croix. Il a souri à des gens lorsqu'il était en train de monter au calvaire avec sa croix. Donc on voit vraiment que Jésus était vraiment quelqu'un de parfait dans tous les sens du terme. Hein. Et souvent quand on regarde le film La Passion du Christ, c'est un film qui est très cru, qui montre la dure réalité. C'est pour ça que d'ailleurs toutes les religions, comme notamment le catholicisme, l'ont rejeté. On dit non, on veut pas de ce film, c'est du n'importe quoi. C'est parce qu'en fait, c'est tellement corrompu comme religion que les gens rejettent le fait que Dieu ait pu passer par cette étape-là, alors que c'était la volonté du Père. Donc les gens sont toujours en train de contester, non, c'est pas normal, pourquoi Dieu a subi ça? On a aussi, par exemple, d'autres religions comme l'islam qui disent que non, c'était pas lui sur la croix, c'était quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, il y a un rejet, on ne peut pas, en fait, on ne veut pas que Dieu s'humilie en fait. Les gens veulent un Dieu qui soit tyrannique, au-dessus de tout, qui punit les gens vraiment avec une méchanceté, un peu comme l'homme en fait, mais Dieu est amour, nous l'oublions aussi. Dieu est justice et Dieu est amour, et la justice de Dieu c'est Jésus-Christ, c'est le sacrifice parfait à la croix, et c'est d'ailleurs comme ça que Dieu va juger l'humanité. Qu'est-ce que tu as fait de mon fils Jésus-Christ?
L'as-tu accepté dans ta vie? L'as-tu saisi comme Seigneur et Sauveur? Comme mon plan parfait? Si les gens répondent non, Jésus l'a dit lui-même, si vous ne croyez pas ce que je suis, donc le plan parfait de Dieu, vous mourrez dans vos péchés. C'est la mort éternelle, c'est la damnation éternelle. Il n'y a pas de possibilité autre d'aller au ciel que de passer par Jésus-Christ. Et Jésus l'a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc maintenant nous sommes prévenus, libres à chacun de croire en son âme et conscience, comme je dis toujours. Donc Jésus, on sait que dans un premier temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il a subi donc une flagellation. Donc une flagellation, ce sont une sorte de fouet. Hein, c'est des fustigations avec des roseaux. Hein, donc c'est des sortes de roseaux. Et au bout des roseaux, il y avait donc des boules. Et donc cet instrument s'appelle le flagrum romain. Hein, donc les extrémités sont des lanières qui sont garnies de petites boules de plomb. Donc vous imaginez, là on ne parle pas d'un martinet, hein, c'est vraiment quelque chose de rigide avec des lanières et au bout des boules de plomb. Donc vous imaginez la force et l'impact que ça peut avoir sur la chair. Hein. Donc vraiment horrible. Il faut savoir que cette flagellation a duré environ une bonne dizaine de minutes parce qu'il y a eu des études qui ont été faites par rapport au linceul de Turin. Et sur ce linceul, ils ont relevé, scientifiquement parlant, entre 100 et 120 impacts. De boules, hein, donc ils ont pu déterminer la durée à peu près, hein, et le nombre de coups de fouet qu'il y a pu y avoir. D'après les traces, il y avait donc deux lanières sur le fouet, hein, et la victime a reçu donc à peu près 55 coups de fouet en environ une dizaine de minutes, soit environ 5 à 6 coups par minute. Donc ça fait un coup à peu près tous les 10 secondes. Donc c'est rien que déjà là, ça met vraiment, ça fait vraiment 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 mal au cœur quand on peut voir des choses comme ça, c'est incroyable. Donc d'après bien sûr le bilan, l'énergie que Jésus a reçue est de l'ordre de 4000 joules, celle d'un automobiliste qui roule à 90 km/h, qui fait 5 à 6 tonneaux. La flagellation est un traumatisme majeur qui laisse la victime assommée, car elle vient de recevoir deux fois par minute une énergie suffisante pour mettre KO à chaque fois. Donc il faut bien comprendre que si Dieu n'avait pas soutenu Jésus de manière surnaturelle jusqu'à au Mont Golgotha où il était crucifié, et c'est d'ailleurs pour ça que Dieu a abrégé ses souffrances, parce que la souffrance était telle que Dieu n'a pas permis que Jésus souffre, comme c'était le cas de certains crucifiés, pendant une journée, deux jours, parfois même trois jours, vous imaginez, d'agonie incroyable sur la croix, parce que vous allez voir que là, en fait, à la croix, c'était vraiment une agonie, la position dans laquelle le crucifié était, c'était vraiment une position où à chaque respiration, il devait tirer sur ses poignets où il y avait donc les clous de planter, frotter son dos en sang sur la croix, sur le bois, pour prendre une respiration. Donc vous imaginez, c'était une terrible punition et agonie que le Seigneur a subi. Donc comment peut-on cracher aujourd'hui sur un tel sacrifice, chers frères et sœurs? C'est une question vraiment qui est improbable lorsque l'on voit de telles choses. On sait que Jésus a perdu énormément de sang, qu'il était anéanti physiquement, et que, comme je vous dis, une force naturelle l'a maintenu, parce qu'en fait, le nombre de litres de sang qu'il a dû perdre pendant ce... Aucun homme, en fait, n'aurait pu y résister. Hein, c'était vraiment un tel châtiment, une telle punition de coups de fouet, d'enchaînement de coups de fouet, que physiquement, on n'aurait pas pu se relever et porter une croix comme ça sur plusieurs centaines de mètres. Il a très certainement dû récupérer aussi un petit peu le temps qu'il soit à côté de Ponce Pilate. Hein, vous savez, il était à côté, donc avec la couronne d'épines, quelques dizaines de minutes, où il est passé devant le public, ensanglanté. Et il faut savoir aussi que tout ça a engendré des traumatismes internes, hein, qui sont très souvent des épanchements liquidiens dans la plèvre et dans le péricarde. Donc en clair, en fait, les mouvements respiratoires et les battements cardiaques sont très douloureux et insuffisamment efficaces. Donc les reins sont commotionnés aussi, parce qu'en fait, chaque coup de fouet donne un impact, et un impact crée des lésions, des dégâts dans l'organisme. Donc il faut savoir que vraiment, déjà, la mort était inévitable à la suite d'un tel châtiment à coup de fouet. Hein. Comme je vous disais, nous avons à peu près 5 litres de sang dans l'organisme. Il faut à peu près estimer, d'après les scientifiques, que Jésus aurait perdu environ 2 litres de sang sur les à peu près 110 hématomes qu'il avait sur le corps, d'après le linceul. Hein.
Et il y avait donc environ 5 à 700 mètres du lieu de flagellation jusqu'à Golgotha, jusqu'au moment où Jésus a été donc crucifié. Donc cette hémorragie, elle est comparable à l'effort de porter une poutre transversale, donc qui devait peser au minimum 20 kg sur une telle distance. C'était quasiment mission impossible. Il a fallu donc, pour arriver au calvaire, que Simon de Cyrène aide Jésus, hein, voilà, pourtant solide charpentier de 33 ans, donc 33 ans c'est la pleine force de l'âge, hein, car ce qu'il n'avait plus la condition physique donc de porter cette croix, et c'était donc dans les 2 heures qui ont suivi, donc c'était vraiment, vous imaginez dans l'état déjà dans lequel le Seigneur était, quoi, c'était vraiment incroyable. Arrivé à la croix, donc à peu près 2 heures plus tard, donc les reins sont quasiment obstrués, la plèvre et les péricardes sont quasiment remplis également de sérosité, donc de sérum. Hein. Là, il faut savoir que Jésus arrive vraiment complètement épuisé, dans un état d'épuisement total, de force vraiment néant, hein, donc complètement vidé, comme si vous n'avez pas dormi pendant 3 jours par exemple. Après, il y a quelque chose sur lequel on ne pense pas non plus, c'est les vêtements qui ont collé aux plaies pendant ces 2 heures, qui se sont donc refermés sur les chairs. Et au moment où on lui arrache ses vêtements, vous imaginez, c'est pareil, on recrée une deuxième hémorragie davantage, une souffrance incroyable, comme quand on arrache un pansement qui est collé sur un bobo. Vous imaginez que là, il faut savoir qu'ils estiment à peu près 880 cm de peau et de muscles manquants sur le corps de Christ. Hein, qui ont été mesurés sur le linceul de Turin, d'après le sang. Donc là, on parle bien sûr d'approximation, mais ce sont quand même des faits scientifiques qui ont été relevés, révélés. Donc voilà, pareil, une souffrance incroyable lorsqu'il est dénudé pour être posé sur le bois. Alors généralement, les crucifiés se débattaient au moment de l'insertion des pieux, en fait, dans les poignets et les pieds. Mais là, en fait, les évangiles ne mentionnent aucun mouvement de Jésus. Alors, il y a 2 possibilités, soit parce que Jésus était dans un état d'épuisement total, hein, c'est vraiment, la raison la plus plausible, et parce que justement, sa flagellation a été plus intense que la normale. Il a eu plus de coups. Donc, on voit aussi par là que c'est vraiment le diable qui s'est acharné sur lui. Hein, qui a saisi les Romains pour donner davantage de coups de fouet. Et comme je vous dis, normalement, aucun homme normalement constitué n'aurait pu accomplir un tel exploit de monter comme ça jusqu'en haut avec cette croix de bois. Les clous ne sont pas plantés dans les paumes des mains, parce que sinon les paumes des mains se déchirent, mais dans les poignets, où il y a donc un espace qui sépare les deux os des poignets et qui vient justement se maintenir avec la main pour empêcher justement le déchirement. Maintenant, vous imaginez que là, au milieu, il y a des tendons, il y a des nerfs, donc ça vient briser une partie des os, ça vient couper le tendon, donc la douleur dans les bras est tout simplement insupportable. Une douleur, vous imaginez qu'on là, le Seigneur a subi tout ça sans évanouissement. Donc on voit bien quand même qu'il y a quand même quelque chose de surnaturel derrière tout ça. C'est, on va dire, la pire des tortures et des souffrances qu'on peut infliger à un homme, d'être fouetté comme ça et crucifié de la sorte. Et normalement, comme je vous disais, donc la crucifixion, ça durait en moyenne 24 heures. Celle de Jésus n'a duré que 3 heures. Dieu a abrégé ses souffrances. Gloire à Dieu pour ça. Et on a Cicéron qui a dit que la crucifixion était le plus cruel, le plus horrible des supplices. Donc vous imaginez. Et donc ça engendre 4 grandes douleurs, la crucifixion. Donc la douleur de la fixation, donc sur la croix. L'étouffement, parce que la personne suffoque en fait avec les bras écartés. Les poumons ne peuvent pas bien se remplir d'air. Plus l'épanchement, bien sûr, donc de liquide dans la plèvre, donc un manque d'oxygène, donc un étouffement vivant, en fait, tout simplement, une soif terrible, parce qu'il fait très très chaud en Israël, et des crampes incessantes, donc ça, plus bien sûr le sang, on peut s'imaginer aussi les insectes, tout ça, donc franchement, on est loin de s'imaginer ce que la crucifixion a pu engendrer, c'est quelque chose de vraiment horrible, horrible, horrible. Et le corps tient par la présence et la puissance des clous. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes vraiment suspendu par les clous, en fait. Hein. Donc vous imaginez la douleur que cela peut engendrer également, une douleur indescriptible, et c'est complètement inimaginable à notre époque d'ailleurs. Donc Jésus mesurait environ 1m80, voire un petit peu plus, et pesait en moyenne 80 kg. Donc la corpulence d'un homme déjà bien. Et ce que je vous disais, donc il faut bien comprendre qu'en fait, la suspension comme ça des clous, au niveau des bras, c'est quelque chose en fait
qui provoque très rapidement des crampes dans les bras, des fourmillements, comme on peut appeler ça, hein, un manque d'oxygène dans le sang, et donc une suffocation. Donc en fait, le crucifié se retrouve très vite donc, avec un sang qui manque d'oxygène, avec un gaz carbonique qui s'accumule, donc on passe dans l'asphyxie, on passe dans les fourmis, on passe dans les membres qui s'engourdissent. Donc là, pareil, on vient rajouter un complément de souffrance. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il cassait les jambes pour voir si la personne ne faisait pas semblant d'être mort et pour voir justement s'il n'y avait pas un sursaut, si la personne était bien morte au moment de la crucifixion ou bien transpercée avec une lance, ça dépend. Ça dépendait en fait. Hein. Donc voilà ce que on peut dire sur la crucifixion de Jésus. C'est vraiment quelque chose d'inimaginable, d'abominable, de démoniaque, de satanique, de pervers. Comme l'étaient justement les tortures de l'armée romaine et comme ont pu torturer aussi beaucoup pendant l'Inquisition, des choses comme ça, beaucoup de religions, beaucoup de. Voilà, aussi dans certaines religions aussi modernes, on tue des gens, on décapite, on voit vraiment la perversité de l'homme et on voit vraiment l'influence démoniaque derrière tout ça. Vous savez, le diable a su et a vu en Jésus un ennemi et a poussé, comme la Bible dit, les juifs de l'époque du Sanhédrin à le crucifier. Mais ce qu'il faut voir derrière tout ça, chers frères et sœurs, même si c'est vraiment incroyable de lire cette souffrance, souvent quand on voit des films avec la crucifixion, on ne peut pas retenir nos larmes, tellement la souffrance a été incroyable. Et Jésus s'est infligé ça pour nous, par amour pour nous, c'est ça qui est dingue, c'est ça qui est vraiment dingue. Donc aujourd'hui, nous devons, nous, en retour, mettre notre vie en règle pour lui, l'aimer chaque jour un peu plus, s'approcher de lui, placer notre foi en lui, et nous serons à ses côtés pour l'éternité dans la joie et la paix, loin de toutes ces souffrances, de toute cette torture. Et il faut savoir que le diable, justement, comme je vous disais, pensait l'avoir détruit, pensait avoir éliminé un ennemi potentiel, mais en fait, le diable s'est aperçu qu'il était de plan parfait de Dieu. Comme la Bible le dit, il a été traîné dans la boue derrière lui, dans son triomphe de gloire. Dieu l'a humilié, l'a rabaissé, a eu la victoire sur la mort, sur le péché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde s'attaque au nom de Jésus-Christ. On n'ira pas s'attaquer à des Bouddhas, des Mahomets ou autres. On s'attaque toujours à Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que le diable est derrière ça et parce qu'il est le plan parfait de Dieu. Et donc voilà, chers frères et sœurs, c'est tout simplement comme ça. Les satanistes ne parlent pas d'autres religions, parlent toujours de Jésus-Christ. Hein. Et d'ailleurs, dans certaines religions, on essaye d'éteindre indirectement le nom de Jésus pour le remplacer par d'autres choses. Par exemple, Marie, des saints, voilà, des prophètes. On essaye, le diable subtilement essaye de brouiller les pistes pour pas que les gens restent dans le chemin unique de Christ. La Bible nous le dit bien de façon très claire, hein. Il n'y a qu'un seul médiateur, il n'y en a pas 2, 3, 4 ou 10, un seul, Jésus-Christ, homme. Donc vous imaginez, il n'y a pas besoin de chercher plus loin, hein. La foi en Christ, la vie en règle, c'est ça qui nous emmène dans le royaume des cieux, selon le plan parfait du Créateur de la terre, dès la fondation du monde, donc du temps des Hébreux, vous imaginez, 5000 ans en arrière. 5000 ans en arrière. Donc une souffrance incroyable que le Seigneur a subie. Et tout ça, pourquoi ? Pour nous racheter de nos péchés par amour pour nous, chers frères et sœurs. Donc voilà, chers frères et sœurs, ce que le Seigneur a subi pour nous, par amour pour nous. Donc vraiment, toute la gloire lui soit rendue pour cet incroyable sacrifice qu'il a fait, vraiment. Ce dévouement, on lui a arraché la barbe, on lui a craché dessus, on l'a fouetté, on l'a crucifié, il a suffoqué, il a eu des crampes, il a eu une soif incroyable, il a eu donc des fourmis dans le corps, une suffocation, il s'est étouffé vivant sur la croix, durant, donc, si on prend les 3 heures de crucifixion, plus les coups de fouet, entre 5 et 6 heures de calvaire, incroyable que le Seigneur a souffert pour nous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, qui, sur cette terre ou dans le passé, peut dire qu'il a subi quelque chose comme ça pour quelqu'un d'autre, pour son prochain? Personne. Mais personne n'a pu subir quelque chose comme ça, en fait. C'est vraiment le seul, et il nous a montré son pouvoir, sa puissance, par les miracles. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, voilà, c'est une vidéo qui est poignante, qui vraiment m'a mis beaucoup de larmes aux yeux quand j'ai pu lire tous ces passages concernant la crucifixion de Christ. Hein. Et il y a un film qui représente très bien aussi ça, c'est un film justement qui parle
C'est, alors je ne sais plus exactement le titre. C'est un film donc, qui parle de. C'est un journaliste qui va donc enquêter. C'est Jésus l'enquête, voilà. Qui va enquêter sur la crucifixion, tout ça de Christ à un moment donné. Et vous savez, quand on voit ça, on est touché en plein cœur. Hein, parce que souffrir autant pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou voilà, donc c'est quelque chose, c'est une preuve d'amour qui est impossible et pour quelqu'un d'aujourd'hui, en fait. Hein. Là, c'est vraiment donner sa vie pour un ami, donner sa vie pour sa création. Donc c'est un sacrifice parfait, voilà, parce qu'il n'y avait pas de péché non plus derrière cet homme, derrière le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, chers frères et sœurs, incroyable, toute cette souffrance. Et aujourd'hui, moi, je vous invite vraiment à méditer cette vidéo, à la partager, parce que vraiment, il faut honorer ce sacrifice. Il faut l'honorer par notre bon comportement, par notre repentance sincère, profonde et durable, par notre foi en Jésus-Christ. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.